Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner ce petit sac à dos. Vous allez avoir besoin du gabarit, il est au format PDF et je vous mets le lien de téléchargement dans le descriptif. Avec le gabarit, on coupe deux fois dans le thermocollant. On coupe deux fois dans le tissu extérieur et dans le tissu doublure. On rajoute 1 cm de valeur de couture. Ici, c'est au pli. On a donc le dos et le devant. Et pareil pour la doublure. Il faut deux bandes de 24 cm sur 11, une fois dans le tissu extérieur et une fois dans le tissu doublure. Et on coupe une bande de 22 cm sur 9 dans le thermocollant. 4 morceaux de 11 cm sur 14, 2 dans le tissu doublure, 2 dans le tissu extérieur et dans le thermocollant, 2 morceaux de 9 cm sur 12. Pour la poche doublure et la poche extérieure, il faut 4 morceaux de 24 cm sur 19. 2 fermetures à glissière, une de 18 cm et une de 45 cm. 4 bandes de 45 cm sur 6. Et on prépare 2 bandes de thermocollant de 45 cm sur 4. 2 bandes de 32 cm sur 8. 2 bandes de 25 cm sur 8 et une bande de 14 cm sur 8 et 2 boucles de réglage en plastique. Et on commence par poser le thermocollant, donc sur les parties dos et devant extérieures, les bandes de 45 cm sur 6, les deux morceaux de 11 cm sur 14 et la bande de 11 cm sur 24. Je reprends la petite bande de 14 cm sur 8. On plie en deux. Et on reforme un pli vers le milieu. On replie en deux. Et on pique de chaque côté. On reprend la partie dos et on va placer notre petite bande en haut. On reprend les bandes de 25 cm et de 32 cm. On fait un repli d'un cm dans la largeur et ensuite on prépare de la même manière. Donc on plie d'abord en deux, ensuite on fait un repli de chaque côté et on replie en deux. Je prends les bandes les plus longues, le repli est ici et on va les glisser dans les boucles de réglage en plastique. Et on va piquer ici. On place les deux bandes où il y a les boucles de réglage en haut de la partie dos sous la poignée. Et on place les bandes en bas. Le repli est ici. On va les épingler légèrement de biais.
Pour travailler ensuite sans les épingles, on va faire une piqûre à 3 mm du bord, ici et ici. On va maintenant préparer la poche de la doublure, donc on reprend les deux morceaux de 24 cm sur 19. On place endroit contre endroit et on va piquer uniquement le haut, donc le long des 24 cm. On ouvre ensuite la couture. On rabat envers contre envers et on va surpiquer le long du bord. On reprend une des parties doublure et on va placer la poche par-dessus. Je reprends les deux autres morceaux de 24 cm sur 19. Je vais les placer endroit contre endroit et épingler le tour. À 5 cm du haut, on va tracer un rectangle qui mesure 18 cm sur 1 cm. Il faut piquer sur ce rectangle. Et au centre, on trace une ligne avec deux flèches aux extrémités et il faudra couper sur cette ligne. On va bien ouvrir les coutures et on va passer le tissu au travers. On donne un petit coup de fer et on prépare en haut un repli d'un centimètre sur chacune des parties. On va glisser la fermeture à glissière en dessous, épingler et assembler tout le tour. Changez bien votre pied presseur et prenez celui qui est adapté à la pose de fermeture à glissière. On reprend la partie devant extérieure. On va placer la partie avec le zip par-dessus. Et donc ici, on a les replis d'un centimètre. On place bien à plat. On va piquer tout le long ici et faire une piqûre à 3 mm sur les trois côtés. On reprend les bandes de 45 cm et la grande fermeture à glissière. On place l'endroit de la fermeture à glissière contre l'endroit du tissu extérieur. On recouvre avec la partie doublure. On épingle et on pique sur toute la longueur. On assemble l'autre côté de la fermeture à glissière, donc toujours endroit de la fermeture contre endroit du tissu extérieur. On recouvre avec la partie doublure. On épingle et on pique sur toute la longueur. Et on vient maintenant surpiquer de chaque côté. On reprend les 4 morceaux de 14 cm sur 11 et on va les assembler aux extrémités. On fait correspondre les tissus. Et on va piquer dans la largeur de chaque côté.
et on vient surpiquer de chaque côté. On reprend les deux morceaux de 24 cm et on va assembler à une extrémité. Donc on fait correspondre les tissus. Et on pique dans la largeur. On va séparer les deux parties et épingler uniquement les tissus extérieurs et un des tissus doublure. Donc ce morceau-ci est encore libre. On roule jusqu'au bout et on va ensuite passer le morceau restant par-dessus et on va l'épingler avec les autres morceaux. Et on va piquer dans la largeur ici. On va placer couture contre couture, bien à plat, et marquer le milieu de la fermeture à glissière. Et on va placer une épingle de chaque côté. On va placer le contour du sac sur la partie dos pour commencer. Et on place tissu extérieur contre tissu extérieur et l'épingle au milieu, là où il y a la petite poignée, comme ceci. On va ensuite ajuster le tour au niveau de l'arrondi jusqu'en bas. Donc, on va ajuster la partie ici sur le côté et on va laisser la bande de 24 cm pour après. Donc on va cranter la bande où il y a la fermeture à glissière, ici. Et on va préparer l'autre côté. C'est ajusté et maintenant on va piquer le tour à 1 cm. Mais on commence à piquer à 1 cm du bas. Donc le contour est assemblé et pour assembler le bas du sac, on va cranter au niveau de la couture qui est entre le côté et la base du sac, donc la bande de 24 cm. On coupe 1 cm jusqu'au début de la couture. Une fois que c'est cranté, on peut bien ajuster la base du sac et on pique de la couture jusqu'à la couture. On ouvre la fermeture à glissière et on vient bien tout placer à plat. On ajuste bien et on épingle tout le tour
Ensuite, on assemble en laissant une ouverture de 10 cm en bas. Il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Il restera l'ouverture ici à refermer à la main. Je reprends la partie devant et on va assembler comme pour la partie dos. On plie donc en deux pour avoir le milieu et on place une épingle. On place épingle contre épingle, endroit du tissu extérieur contre endroit du tissu extérieur. Et on va ajuster le tour. On épingle en bas à 1 cm comme pour la partie dos. Et on va cramper l'arrondi pour ajuster. C'est ajusté et on va maintenant assembler le tour. On crampe, on ajuste et on pique le bas. On repousse bien tout à l'intérieur et on va placer la dernière partie doublure par-dessus. Donc on ajuste bien, on épingle, on assemble le tour. Et on laisse une ouverture en bas de 10 cm. On a l'ouverture qui est ici et on va bien mettre bord à bord et refermer également ce côté avec un point à la main. Votre petit sac à dos est maintenant terminé. À vos machines!